merde, excusez-moi. Il a croisé tout le monde, le bâtard. Je ramène. Non, mais j'ai mal en... Bon, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est en bateau, on est toujours avec Antoine, donc jour 3 avec Antoine. Il y a Alexis et Jean-Marc, hop, juste là, sur l'autre bateau. Il y a d'autres collègues qui arrivent dans la journée. On va se faire une petite session, recherche du sand, du brochet, de la perche, de tout ce qui va venir. Et on va essayer de s'amuser. Bon, là, je vous fais l'intro, on a déjà bien attaqué la partie de pêche. Et c'est plutôt pas mal. On s'éclate bien, on enchaîne les poissons, donc je vous laisse avec les images. Et avec quelques explications sur ce qu'on fait. Allez. Ah, loupé. Petite touche. Très très fébrile. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on avance vers le barrage direct? Parce que là, sur la longueur qu'on a fait, on a pas beaucoup de touches quand même. Est-ce qu'on se l'essaye en vertique jusqu'à là-bas? Et on essaie de gratter un peu vers le barrage, voir s'il n'y a pas quelques cendres. Genre à droite ou à gauche du barrage. Oh, tout touche dans le cassant. Ah, j'ai pris une belle châtaigne là. Ah, loupé, c'est lui là, regarde. À la descente, il m'a repris quoi. Ouais. Vert chartreux. Ok. Ok, ça marche, je passe avec ça. Merci du conseil. Je vais essayer ça. Hein. Oh bah si t'as un silure, tu peux le taper. Hein. Là tu vois, il y a le lit du ruisseau. Il y a le lit du ruisseau, je vais essayer de passer dans le lit du ruisseau. En linéaire ou semi-linéaire. Ah ben voilà, là il y a de la ça. C'est pas gros, hein. Mais vert chartreux. Tu vois, il y a des échos au fond. Coffret, hein. Il avait raison, Alexis. Chartreuse. Et une petite sande. Louf. Ouais. Bon. Mais il y en a, hein, regarde, il y a pas mal de petits cendres au fond. Vert chartreux, en fait, moi j'ai pas de vert chartreux, j'ai du vert comme ça là. Si, si, je... Ah, mais ça, c'est pas mal, hein. J'ai le six-chad. Ah, si t'as un six-chad vert, vas-y, hein. N'aie pas peur, hein. Après, sinon, des leurs chartreux, j'en ai, hein. T'inquiète pas, je peux t'en passer. Loupé. Hein? Loupé. Bon, ben, chartreux. Putain, c'est la couleur, quoi. Et il t'a pas dit en taille précisément ce qui est... Je suis en 4 pouces, c'était coffré, donc 3 à 4 pouces. Coffré, ouais, donc ça leur fait pas peur. Mais... T'as mis one-up en vert chartreux, quoi, là. C'est ce que j'ai mis. Hein? C'est ce que j'ai, moi. Non, mais mes one-up. Hein? C'est des 5 pouces, mais des fois que... Ah, bah tu peux essayer, hein.
Si tu loupes les touches ou si tu prends pas de touches, tu changes, hein. Il y a une belle horizon pour faire du poisson ici là. Ah bah oui. Loupé. Bon là ma poule, je suis chaud comme un bol de poule. Ça me dit, très chier. On était sur du poulet. Poisson. Poisson? Ouais. C'est bon? Il est plus correct que l'autre, ça c'est clair. Ça mérite de plus être ou pas? Trop tard. En animation. Planant sur le fond. Comment? Planant juste au-dessus du fond. Planant juste au-dessus du fond? Ouais, et tu prends une cartouche. Arénette. Poisson. Une perche. Ah, une perche. Ouais, elle va aller à l'épuisette, elle. Elle est dans l'eau. Ouais, voilà. Donc elle va par là. Loupé. Loupé. Au niveau du tombant du ruisseau. C'est du vide. Là, ça casse vraiment, quoi. Je prends des touches à tous les sens. Yes. Fichon! C'est tout petit petit. Ouais, mais. Petit sens, ça, à tous les coups. Et oui. Oh, il est plus correct que le mien, le premier. Hein. Oups, excuse-moi. C'est rien. Et vraiment la couleur du vert. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Allez, retourne d'où tu viens. Poisson. Je ne regardais même pas. Je le fous pas dans l'épisode quand même. Oh, tu te fous pas comme tu veux. Là-bas, là, c'est n'importe quoi. C'est un poisson à chaque lancer. J'adore ça. Une perche. J'adore ça. T'as les perches qui te prennent à la descente et quand t'arrives au fond, c'est les cendres qui te prennent. C'est génial. Oh, c'est de boîte! Ouais! C'est juste nimp là, c'est trop bon! C'est un peu plus joli! Ah! Un petit cendre maillé? Non, une belle perche, je pense! Ouais? Ah oui, un peu plus correct, ouais! Ah, un petit cendre maillé! Ah, bah, ah putain, décroché! Tant pis, il est filmé, il est dans la boîte! Cool ça! Yes! Je vais essayer un 3 pouces! En vert. Non mais j'ai un petit gambler en vert là. Tu vois ça. Ça va le défoncer ça. C'est des bonnes coloris. Regarde ça. Je vais les déboîter avec ça. Je vais les déboîter. Oh putain, cette cartouche. C'est les cendres. Oh, ce mou. Oh putain, ça m'a décollé le poignet. Ça fait un bout, ça fait... Alors, est-ce qu'avec du 3 pouces, on les défonce encore plus? C'est n'importe quoi. C'est ça qui est bon. C'est sûr, c'est des chaussées, là. Même pas, quoi. Juste des petites touches de brox, c'est trop bien. C'était pas une petite touche de brox, ça, tu vois? Bon, les cendres, ils mettent des pralines. Ah, mais là, ça va tirer de là. Mais... Poisson. Faut vraiment animer à la canne. C'est tac tac, petit animé à la canne. Oh, j'avais quoi, je suis con. J'ai foutu un mou dans la canne juste après quoi. Comme un débile, c'était quoi ça? Ah bah voilà. Bon, super chouette. Tu vois, regarde les poissons, comment ils sont blancs ici. Non mais par contre, c'est abusé. Regarde la gueule de la perche quoi. Mais par contre, tu les mets dans l'épuisette et regarde les zébrures qu'elles reprennent. Ah ouais, c'est marrant ça. T'as dit qu'elle était blanche quand je l'ai mise. Hein. Non mais c'est normal en fait. Tu vois, l'autre, la petite aussi, elle va reprendre des couleurs d'un coup. Mais pour l'instant, des petits poissons. Hein. Il y a plus de fond là. Ouh, la touche à la descente. Ah, c'est plus correct en plus. C'est plus correct.
À ras du bord. Kezako. Oh, un joli cendre. Enfin, joli. Plus gros que les autres. Hop là. Yes. Un joli petit cendre maillé. Il n'est pas se décrocher, lui. Yes, pendu. C'est correct en plus. Voilà. Joli petit cendre. Oh, belle perche. Allez. Retourne d'où tu viens. Joli, bien. Coffret. Hop. Apparemment, un ras du bord le cendre. Oh, comment il est coffré le bordel. Et bah alors. On a coffré le slitchat. Le petit slick là, il a aimé. Elle l'a aimé. Allez, Puzette. Bon, ils ont pris une touche. Ils prennent beaucoup de quelques perches, de petites perches. Des grosses touches de cendre, mais ils les loupent. Putain, j'ai un poisson. Ils les loupent. J'ai. Il y a un poisson là. Oui. Merde. J'ai jamais monté. C'est du grain n'importe quoi. Il est quasiment sous nous là. Pratiquement sous nous. C'est n'importe quoi. J'adore. Mais le joli cendre, je l'ai fait vraiment à ras du bord. Hein. Faut peut-être pêcher encore plus près du bord. Ouh, c'est beau ça. Ça, c'est correct. Hein.